Ok, bon, Azazel, hein, qui a l'air de fonctionner. Très bien. Ça fait très longtemps que j'ai pas joué à Azazel. Pourquoi pas? Pourquoi pas se tromper d'overlay? Voilà. Ouais, y a très peu de gens qui participent toujours. Ah oui, non, mais moi j'ai le plus gros stream de Lurkage en France. Alors. Quand je pense que j'ai raté. Une win streak moins 5. Quel enfer. Azazel, comment on se retrouve? En hard ou en normal? Oh, normal, hein. Sinon, je vais me faire pounade, j'en ai marre, quoi. Ah, je sais plus. Mais sachant qu'Azazel, en plus, n'a pas de cœur rouge, je crois que c'est ça aussi le délire. Ah ouais, c'est ça, il a pas de... Et de full, c'est quoi? Ah, mais il vole, par contre. Ah ouais, c'est pas mal, ça. Ah ouais, d'accord, ouais, donc tu commences directement avec pas mal de trucs, du coup. Et c'est quoi, y a pas d'ennemis? Ah ouais, j'oubliais à quel point ce personnage était grisant. Ok. Paf. Oh, wow, 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 wow. Paf. Bah, de toute façon, on est obligé de le choisir. Hein. Mais alors, du coup, là, par exemple, si je fais ça, est-ce que ça triple vraiment, tu vois? Oui, non, mais je veux dire, il peut avoir des cœurs rouges, bien sûr, mais par contre, il n'en a pas par défaut, quoi. Putain, c'est clair qu'il est trop cool. Oh, ça va tellement bien. En fait, ce qui est bien avec Azazel, c'est qu'il se passe des trucs dès le début du run. Au lieu de te faire chier pendant un étage et demi, bah, au moins, dès le début, t'as un petit truc qui se passe, quoi. Mr. Me, qu'est-ce que c'est? Ah oui, on lui demande de faire des trucs. All pick-up, ah, ça a déjà été pas mal. Ça m'a déjà sauvé un run. D'un autre côté, ça veut dire moins de moins d'amis. Oh, merci beaucoup, HMC Yann. Merci pour le Prime. Merci énormément pour le soutien. Merci Yann. Je ne sais pas. Est-ce que ça vaut le coup de le prendre, le Sackhead, dès le début, comme ça? C'est peut-être un peu overkill, non? Bon, allez, vas-y. C'est quoi, cette musique? Ok. Boule of bandage. Cœur bleu. Rocher marqué. Paf. Paf. Écoutez, c'est un premier étage plus que correct. Oui, c'est ça, c'est un remix d'Undertale. Hein. On est d'accord. Il me semble bien. Allez, cœur rouge. Et c'est un Burning Basement. Des coins. Oh merde, je l'ai raté. Il se déplace. Ah oui, c'est ça, 1,25, c'est bien ce qui me semblait. Putain, mais la foire au rocher marqué. Quand je pense que des fois je fais des runs avec zéro rocher marqué. Ah putain, c'est pas le même délire, hein, ce perso. Ok. Parfait. Sac. Coins. The crap. Drop a poop on the floor. À chier. Oh.
ça c'est bien ça. Lui je vais le bomber, je vais essayer de trouver des coins supplémentaires, ok. Ok, 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 ça je le veux, le restock je le prends. Ouais, Kissou, ouais, c'est bon. Tu crois que je t'ai pas vu là en train d'essayer de me troller? Encore un rocher marqué? Mais où ça? Oh putain, mais je l'avais même pas vu. Fête à la saucisse, Small Rock. Mais qu'est-ce que c'est que ce run? Oh, come on. Ok, encore un rocher marqué. Non mais c'est une blague. C'est le quatrième rocher marqué sur cet étage. Et on est qu'au deuxième. Oh shit. J'ai fait la salle d'items. Je suis pas allée au shop. Ah si, ça y est, 15. Attends, wow. Je vais aller prendre le restock. Paf. Pouf, pouf. Paf. Mec sous largeur, bon. Mort sous l'heurte, ouais. Et ça, c'est quoi? The Fool. Back to the start. En cas de couillure. Punaise, quel début de run! C'est rare ça. Je suis en hard là, vraiment. J'en viens même à le douter en fait. Else up, ok. Paf, paf, paf. Ok. Je teste. Range down. Oh. Oh, tears down. Ah, pogno. Ah ouais, du coup, mon brimstone, là, il craint un peu, quoi. Non? Attends. Il est plus court qu'avant ou pas? J'arrive pas à voir. En fait, Azazel, c'est le personnage pour faire le fameux boss rush que j'arrive pas à faire depuis que j'ai commencé à jouer à ce jeu. Ah, de la thune! Si seulement c'était si simple. Si seulement je t'avais dit combien j'aimais mon père. Père ou frère? Que t'as perdu un être cher, je sais pas quoi là. Putain, qui chantait ça déjà? C'est pas Diams? Je crois que c'était Diams. Qu'est-ce qu'il... Paf, paf, paf. Ouais, c'est bon. Hein. Moi, je joue efficacement. Enfin, j'essaie. Ok. Oh putain, le Ball of Bandage. Merci à lui. Tellement ouf ce truc. Bah tiens, je peux faire ça. Paf, paf, paf. La fool. Vous avez vu comment j'ai retenu la leçon de 2-3 mécaniques? 2-3 trucs hein, que je maîtrise. Très peu, mais quelques-uns. Peut-être pas tenter le diable non plus. Ouais. C'est quoi là-haut? C'est le shop? Ah ouais, mais attends, si c'est le shop dans ce cas-là. Bon, le bandage qui a triple carry. Bonjour Gikatsu, pardon.
pas si ouf que ça, cette playlist. Je vais remettre ma bonne vieille... What kind of announcement? An announcement of life beginning. Bonjour Lunev. Ah oui, ils sont boring. Ils sont annoying. Comme les dogs. Ah oh. Comment il m'a pouned. Double pouned, ok, parfait. I see. Alright. Spawn Blue Spiders. Ouais, mais est-ce qu'il en spawn beaucoup? C'est ça la question. Aucune idée. Ouais, allez, on va prendre. J'ai 15 coins. Ok. Et bah dans ce cas-là, on va aller au shop de suite. Ah ouais, il en spawn quand même quelques-uns, ce qui peut être bien. Qu'est-ce que... Ah, ça. Ah tiens, c'est le familier qui l'a buté. Oh BFF, je prends. BFF, je prends. Et on a un respawn. Ah. Ah c'est con, j'aurais bien pris le Lord of Fly. Parce qu'avec la Little Blue Spider, là, je sais pas quoi, ça aurait été craqué. Mais j'ai pas de sous. Ah, il aurait fallu que je check les secrets super... secrets, je l'ai trouvé super secret, je sais pas. Ah, c'est dommage. Ça aurait été bien. En plus, elle était en promo à 7 boules. Ok. Ah. Ok. Ah mais là, attends. Ah non non, c'est ça. Je suis étonnée de la puissance en fait. Ok. Ah, il carry. Putain, ah ouais. Tellement fort. Je suis vraiment étonné. J'aurais pas mis ma pièce sur le fait que ce mec, enfin que la mouche bleue, elle était si forte. Très étonnant. Merci beaucoup, Magic Sam. Non, si c'est Magic Scam. Pardon, merci pour ton prime. Merci beaucoup pour le soutien. Thank you. Thank you, thank you. Splunk Donation Machine. Ah ouais, quelle bonne idée. Regarde, je vais la mettre comme ça. Et je vais l'éclater. Voilà, parfait. Cœur bleu coin. Oh, come on. Full mapping for this floor. Ok, vas-y, je le fais tout de suite.
Comme ça au moins, si je meurs, pas de regrets. Ça c'est les petites vies perdues bêtement. J'ai réussi à avoir quand même pas mal de vies dès le début. Autant l'économiser. Comme ça. Et pourquoi les mecs ils meurent pas? La bombe est trop loin, c'est ça? Putain, tu vas pas me dire quoi. Genre là. Ah, ah. Putain, fallait le mériter, hein. Ok. Monstro tous. Ils tous. Ok. Mal à comprendre à quoi ça sert, mais ok. C'était quoi l'effet? J'ai rien compris. Rosaru, Yama. Ça. Oh là là, c'est tellement bien de pouvoir péter les voids comme ça. Attends, par contre, beaucoup de troll bombes, hein. Ça c'est étonnant. Salut Andargo, pardon. Andargo, j'allais dire. Andargo, c'est ton petit frère qui vient des pays de l'Est. C'est lui qui s'occupe des transferts niveau drogue. Paf! Oh ouais, alors ça, c'est les salles qui sont un peu reloues. C'est quoi? C'est ça? Ok, super. Parfait. Sac. Pof. Coin. Cœur. Putain. Drop bomb ou unpickable coins. Ça c'est non. Par contre, ça serait bien de bomber tout ça. Paf. Qu'est-ce qui m'a touché? Non mais je suis en train de perdre des vies bêtement depuis tout à l'heure. Ça va bon. Ah, un petit monstro. Et il repart. D'accord. Alright. La spider du pif, je l'ai même pas vu passer quoi. Quel enfer. Ah, c'est des caca avec des cacahuètes planté dedans. C'est assez mignon quand même. Pas beaucoup, mais un peu. Je suis en train de tout perdre. Ok. Pendant la box, pourquoi pas? Je suis à quel étage exactement? Je suis à Cave 2. Ce qui veut dire que ça va être deux Soul Heart et un boss item. Ce qui veut dire que c'est quand même pas mal. Donc... Pouf, ça, two speaks, tears up, shoot speed up. Bah oui, mais de toute façon, ça va pas être utile avec mon. Ah si, c'est sur le la vitesse de recherche qui c'est pas mal. Wooden, attends, ça c'est le truc que j'avais déjà. Monstre tous. Ça sert à quoi ça déjà? Ouais. Bon, bon. Je vais faire ça. Ça. Paf, paf. Ah, mais c'est inactivable. Ouais, je vais le prendre. Et du coup, potato peeler. Remove one red heart container. Giving you plus de damage up. Ah, mais oui, je me souviens de ce truc.
En vrai, bien utilisé, ça peut être pas mal, hein. Comme ça, je fais ça. Là, je le reprends. Treasure map, c'est oui. Et more option, two boss item instead of one, c'est oui aussi. Et le Steam Cell, non, que je peux pas prendre parce que j'ai pas de thunes. C'était sans compter ma volonté d'avoir les Steam Cell. Du coup, je récupère des sous de ma boîte à dons. Et je récupère le ticket Steam Cell. Du coup. Donc là, si je fais ça. Ok, Cube of Meat. Mais j'ai un conteneur en moins entier. Après, c'est quoi ça? Spawn One Pill One. Bonjour, Papuslim. Bonsoir, mon dieu, quel enfer. Maïlus aussi, bonjour. Ça fait longtemps? Ok. Eh ben, moi, je suis toujours là. Ouais, ouais, je sais, on peut l'évoluer jusqu'à en faire des petits Meat Boy. Je l'avais déjà utilisé pas mal, ouais, c'est ça. Écoute, si j'ai suffisamment de cœur pour avoir... Oh putain. Pour avoir une deuxième ligne de cœur, alors peut-être que je continuerai à l'alimenter. Mais c'est vrai que finalement, avoir ça en début de run, c'est quand même cool, quoi. On va voir, on va voir. Ça dépend. Ça dépend, ça dépasse. Merci beaucoup, Unexpected. Il faut vraiment que je change d'alerte. J'en peux plus, en fait, de Crash Bandicoot. Merci beaucoup, Unexpected. 5 mois que tu me subs, toi. Bah, merci beaucoup pour le soutien, écoute. En espérant que tu passes un agréable moment. N'hésitez pas, hein, d'ailleurs, je m'adresse aux viewers, aux subbers, absolument à tous les gens là qui sont là. N'oubliez pas que vous pouvez aller sur le Discord. Téléporte de shop. Ouais, je peux. Dans la catégorie news, stats, discussion, il y a tout ce qui est suggestions. Si jamais il y a vraiment des jeux que vous aimeriez beaucoup voir, ou que vous avez une suggestion par rapport à un truc lié à la chaîne Twitch et tout, c'est fait pour, hein. Il faut vraiment pas hésiter à prendre la parole. Dans l'idée, le stream est collaboratif, si je puis dire. Donc n'hésitez pas vraiment, quoi. Méga Fatty, il roule lui, je crois. Ou pas. Il me semble qu'il roule. Ah non, il m'attire. Il m'attire et après il dégueule. Oh là là. On dirait moi au mois de décembre. Elsup ou Too Soul Hurt. Le Squeezie, c'est garanti. Paf, paf. Et du coup, plap. Et nous voici avec ça. Oh putain, j'avais pas vu le... La God Room. Ah ouais, mais le Void... Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je bute l'ange? Est-ce que si je bute cet ange-là, ça peut me permettre d'avoir une demi-clé pour Méga Satan? Je sais plus du tout. T'as retrouvé du boulot, ce qui est une bonne chose. Qu'est-ce que je fais? Je le fais? Putain, le Meat Boy, là, t'as vu le mal qu'il lui fait? Oh, le Meat Boy qui carry tellement! Demi-clé, sac, double bomba. Bon, écoutez, on essaie de faire un run méga Satan, du coup. On va essayer, on va voir. Sachant que j'ai The Hermit, donc les Sacrifice Room, je peux encore rentrer gratos dedans et en sortir aussi. Bonjour Box. Ah ouais, puis en plus, j'ai chopé le thème. Non mais je me suis gavé au shop là en fait. Hein. Vu que tout était à 7 balles et qu'après j'ai récupéré le... Et qu'après j'ai récupéré le ticket Steam Sale, j'ai pu prendre 4-5 items. C'est plutôt propre. Hein. Regardez comme il est agressif le Meatball là. Trop cool. Trop cool, trop cool. J'aimerais bien en spawner d'autres. Mais mes Red Earth sont
précieux malgré tout. Non, c'est lui. Paf. Tac, tac. Alors c'est marrant parce que Rocher marqué, il y en avait 4 sur le premier étage. Et maintenant, il n'y en a plus du tout. Paf. Paf. Rien. On se casse. Ah ! Mais il carie tellement. Monsieur Larger, non merci madame. Mon trinket est caché par les resubs. C'est une boule blanche. Regarde. Ah, le full screen ne marche pas. Bon, enfin bref, c'est une boule blanche. Ah non, le truc en bas à droite, c'est de Hermit. Pardon. Une 36 sur ma map. Ah. Ça commence à devenir respectable, Hephaïstos. Hein. Ça commence à devenir respectable, cette histoire. Ce que t'appelles trinket, c'est ce qu'il y a en bas à gauche ou en bas à droite? Je sais jamais. Ok. Alright. Ah mais je vais laisser Meatball faire tout en fait. Genre, trop cool le mec. C'est à gauche le trinket, ok. Donc c'est Momsper là. Clé, pas de rocher marqué. Chop. Big Fat Orbital. That's nice. That's nice. Ah ouais, c'est un big fat orbital, quoi. Il est tellement long que le Ball of Bandage a le temps de faire trois fois le tour du monde, quoi. Ouais, mais je pense que les gros joueurs, tu vois, je pense qu'une 30 sans problème pour les gros joueurs. En dessous, ça peut commencer à être dur. Toujours plus d'orbital, toujours plus de familier. Ouais, je commence à avoir les deux. Par contre, au niveau des cœurs, je suis un peu limite. Oh, putain. Je suis trop loin. Oh là là! Eh ouais, vu qu'il éclate. Putain. Charge batterie, ce serait tout à l'heure que j'aurais voulu. C'est gentil de me la donner maintenant. Ah, mais c'est un peu tard. Vous savez, c'est un petit peu. Oh, je vais pas vous refaire le même dialogue qu'hier. Ah, c'est un petit peu comme. C'est un peu tard. Qu'est-ce que je fais? Je reroll tout ça. Hein. Je vais reroll tout ça. Ah mais c'est vrai que je suis en Steam Sale. Pokégo à 3 balles, ouais, pourquoi pas. Plus 3 coins, drop a coin when getting it, ouais, pourquoi pas. Reveal Secret Room à 3 balles, pourquoi pas. Mega Mama. Mega Mama, pourquoi pas en vrai? Pour peu qu'on ait un void qui se débloque sur un malentendu, ça peut le faire quoi. Mais par contre, si je prends Mega Mama, ça m'enlève mon pillar. C'est ça le truc. Fire in the sky.
Megamama, c'est une turbo-bombe qui se déclenche quand tu rentres dans chaque salle d'un étage. Et c'est accessoirement ce qui peut ouvrir la porte au Void pour battre Delirium. Et pour le Hush. Sur un étage complet, ouais. Mais je sais pas à quel étage il vaudrait mieux l'utiliser, c'est ça le truc. Oh, j'ai déjà un Meat Boy, c'est déjà pas mal. Vu que j'ai pas méga cœur. Ah, oh, je suis tentée de la prendre, hein, vas-y. Two pills, turn all cards into pills. Ouais, mais il faudrait. J'ai quoi? J'ai 13 coins. Ah non, il ouvre pas Void, mais le Hush, ouais. C'est ça, ouais. Ouais, mais le Hush, il est à quel étage? Je sais plus. Paf. Ah, un cœur rouge à 1 euro. Mais je peux pas le prendre. Tout activitem. Eh bah, c'est parfait. Parce que tout activitem. Ok. Et du coup, je reprends le pileur. Utero 2. Bah dans ce cas-là, j'utilise la Mega Mama à Utero 2 et en plus j'ai pu garder mon pileur. Ah. C'est quand même pas si mal. Je fais un dernier reroll. Ah. Putain, il y a le PHD. J'aurais pu prendre le Better Pills. Enfin, j'aurais pu prendre les pills avant. Pour changer toutes les cards en pills. Et après, j'aurais pris le PHD. Ah. Non ! La frustration ! Tant pis, je vais plutôt sécuriser mes cœurs. Ah, tant pis. Tant pis, c'est la vie, je me suis déjà bien gavée. Comment on fera pour changer d'activitem ? Je sais plus. Si jamais j'ai un autre slot rouge. Ah ouais. Ah oui, sachant que j'ai le BFF. Sachant que j'ai le BFF. Ouais, ça va, en vrai, on est bien. Tu veux pas des bombes, toi, plutôt? Oh, t'imagines, ça aurait été des bombes. Ça aurait été tellement cool. Mais ce n'est pas ça. Coin, 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 coin. Ah, ceci dit, j'ai 13 coins. Hein. Sachant que l'étage d'après, on va tomber sur Grid. J'hésite à prendre le PHD quand même. Je le prends quand même. Spawn random item from the current room's item pool. Chain to spawn lump of coal. Alors ça, je crois que c'est bien, mais je sais pas l'utiliser. Donc je préfère sécuriser mes cœurs plutôt que de faire des conneries. Sur Excalibur. Papa. The Gate? Mais qu'est-ce que c'est que ce mec? J'ai jamais vu. Mais d'où il y a des nouveaux boss? Pardon? Pardon? C'est quoi ce mec? Jamais vu ce mec avant. Euh, 03 speed up ou un full ou un plus health up et full health. Health up qui est bien puisqu'il va me redonner un cœur rouge que je pourrais utiliser pour refaire apparaître un cube of meat. Donc en vrai, j'aurais pris le speed up en temps normal. Mais le health up est quand même pas mal, ne serait-ce que pour le slot supplémentaire qu'il va m'apporter. Du coup, paf, paf. Ah non, ça a créé un méga meat boy. Oh putain. Oh putain. Oh putain.
j'ose pas. Ça c'est quoi? Circle of Protection. A large halo around him deals contact damage. Bah c'est bien ça. Au final t'aimes bien ma map, il y a quand même quelques petits trucs qui rendent la run chouette run. Un peu moins vers le deux tiers de la map. Ok, d'accord. Un peu inégal, quoi. Ok, ok. Ah, merci pour... merci pour tes avis... éclairés. Ah, putain! Qu'est-ce qu'il foutait, la mid-boy? Il foutait rien. Il foutait rien. I have the key. I have the key. J'ai perdu un peu de vie bêtement, mais au moins j'ai la clé. Avec un tout petit peu de plus de range. Ouais. Bah en fait, j'ai pris une pilule au pif au début du run qui diminuait le range. C'est un peu pour ça que je me suis fait avoir quoi. Mais le build est plutôt cool hein. Ah ouais, puis en plus j'ai le full reveal de map. Donc comme j'ai pris le PhD, je peux peut-être me permettre de gober des... Oh ouais. Oh ouais, c'est ça qu'on veut voir. Pretty fly for a white guy. Les limon party, Est-ce que je vais direct au shop? Non, j'ai pas beaucoup de... Au final, une 34? Ah bah bien. Bien, bien, bien. Une 34, ouais, très très bien même. Je pense qu'une 30 doit être faisable quand même. Il faut bien jouer, quoi. Oh putain, regarde, Meatboy, là, il l'a tellement buté. Ah, et le PhD. Regarde, ça c'est l'utilité du PhD qui fait apparaître un Ball of Steals. Ah, ouais. Putain, Cormano et Miscoufani avaient raison. Ce run est exceptionnel. Paf, paf, paf. Ouais, non mais écoute, Miscoufani, je pense que tu pourrais vendre... tu pourrais devenir consultante. Tu sais, c'est comme les gens qui sont consultants e-sport. Bon, basiquement, ils foutent rien, ils ont juste 2-3 contacts. Mais leur titre officiel, c'est consultant e-sport. Et ainsi, ils paraissent très crédibles envers, envers des gens qui ont beaucoup d'argent et qui savent pas quoi en faire. Et bah toi, tu pourrais faire pareil, mais avec Isaac, tu vois. Non, ça c'est un heal, donc non. Ça donne quoi avec l'utilisation de l'item sur Super Meat Boy, il devient... je pense que là, Meat Boy est au plus gros. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est créer d'autres Cube of Meat qui après vont devenir des Meat Boy, etc, etc, quoi. Et tu peux mettre autant de Meat Boy que tu veux si tu as des full Raiders, quoi. Pretty Fly. Yes. Oh, Ball of Steel, ouais. Donnez-moi plus de Ball of Steel. Yes. Heureusement qu'on ne traduit pas. Tu changes tout de suite de métier? Nice. Bon, après, j'ai rien contre les consultants e-sport. Hein. Vous savez que j'ai moi-même... Alors, vous allez me dire que je me répète un peu. Mais sachez que j'ai moi-même dans mon entourage... des bons amis qui sont consultants e-sport. Et c'est des gens tout à fait respectables. C'est juste que... c'est vrai en plus, c'est vrai, c'est vrai. J'en connais. C'est d'étranges personnages, mais ils ont un cœur gros comme ça. Des bisous d'ailleurs s'ils regardent ce live. Je pense qu'il y aurait moyen, si on cherche longtemps, de trouver un moyen plus rapide de prendre tous les CP dans le désordre. Ah ouais, ça serait... Ça serait bizarre, mais ok. Un petit L-Sup. Eh bien, oui. Ah oui, mais le L-Sup me donne un conteneur. Donc...
Attends, déjà, je reprends le Ball of Steel. J'ai un conteneur, donc il faut que je le remplisse. Bah tiens, tu vois, regarde, Embargo, tu me posais la question tout à l'heure. Paf, voilà, là, j'ai rempli le conteneur. Du coup, pouf, et voilà. Et en plus du Meat Boy Max, là, j'ai un Cube of Meat supplémentaire avec le Ball of Bandage et le Big Fat Flies ou Big Fat Orbital. Eh ouais. C'est comme ça que ça marche. Ah, lui, il m'a foncé dessus, quoi. Regarde ça. Contrôle de vitesse, contrôle d'alcoolémie. Ah, mais je sais bien que j'étais pas obligée de le remplir. Mais par contre, autant avoir un cœur rouge qui reste, quoi. Donc là, du coup, j'ai une défense qui est quand même assez vénère, quoi. Ah, je suis pas allée au shop. Il y avait le shop en bas à gauche. Je suis pas allée. Je fais le combat ou pas? Pourquoi pas? Oh, c'est décevant, ça. Oh non, lui! Attends. Ah non, c'est pas adversaire, c'est pas lui. Ah non, c'est pas adversaire, ça. Lui, c'est une baltringue. Je te reconnais, t'es une baltringue. Je suis allée dans ton tiercar l'autre jour. Tout le monde était unanime. T'es une baltringue. Super, tout ça pourquoi? Diamproor qui permet quoi? Téléporte de boss room. Ça, c'est bien quand tu fais le boss rush. Stop making a fool. Ouais, ça c'est chouette. Mais alors, du coup, je lâche le morceau le hard drops. Qu'est-ce que vous en pensez? Black Tooth ou Mom Pearl? Bah non, mais de toute façon, c'est que pour les tears. Le brimstone peut pas être poison. Enfin, je crois pas. Si? Non, je crois pas. La Sacrifice Room, en vrai, ne sert à rien. Oh non, à mon avis, la synergie marche pas. Oh, ça, c'est les rooms de l'inutilité, quoi. Par contre, je suis pas forcément... Black Tooth fonctionne pas avec Azazel. Ouais, bon, mais écoute. Ce qui est bien ce qui me semblait. J'ai pas le souvenir d'avoir vu un jour un Brimstone Poisonous. Si on cherche bien, on trouvera forcément un ennemi qui l'a, mais... Mec sous l'arch, non. Donc là, tu vois, on a un Red Earth. Et allez, le Brimstone. I'm ready. Excellent, ce run. Il sera sûrement sur YouTube. Pour peu que j'arrive à le finir, il sera sûrement sur YouTube. Toi aussi qui regarde cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube. I found pills. Je bombe? Oh, j'aurais peut-être pas dû. On se casse. Peut-être je voulais juste les esquiver. Ok. Par contre, le brimstone automatique me perturbe. J'arrive pas à savoir s'il est ami ou ennemi. Pas beaucoup de rochers marqués par contre. Putain, la foire! Oh, le brimstone! C'est vrai que j'étais qu'à 1,05 en vitesse, me voilà à 1,20. Pouf! Bon, qui? J'ai tout fait à l'étage? Non, je suis pas allé au shop. Hein. Je suis pas allé au shop, allons-y en speed. Et on verra ce que ça donne. Sachant que j'ai le Ball of Steel que je peux utiliser tout de suite, à vrai dire. Donc on va prendre ça. Justice avec un cœur bleu. Putain, mais c'est absurde comme run. C'est absurde. Tout de suite le shop. La Bible, je peux la prendre et la reposer ou pas? Si je la prends, je serais pas obligé de la garder.
Et du coup, le shop sera restocké. Oui, je peux la prendre et la reposer. Je vais faire ça parce qu'à 3 balles la Bible. Franchement, je reprends mon potato peeler. More option, bien sûr. Le compas en soi, je l'ai déjà, mais enfin, j'ai déjà l'équivalent, mais oui. Ça, ça sert à rien si ce n'est à faire respawn. Et le champion belt qui va m'apporter un damage up non négligeable, même si j'aurais préféré un range up. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Et le boomerang que je ne vais pas prendre. Lui, on va le bomber parce que quand même. Ok, ok. Stone enemy can grab item. Ouais, mais lui, c'est pareil en fait. Ah, ceci dit, j'ai le better pills, exact. Oh, le L-Sup, mais je l'ai même pas vu. J'avais pas vu le L-Sup. Du coup, L-Sup. Peeler. Donc là, le Cube of Smith a évolué. Ouais, c'est ça. Je reprends. Attends. Ah, j'ai un Mexu Larger? Mais d'où je le sors? Attends. Oh, il me stresse l'autre, Abri. Il me stresse, Abrimstone. Incroyable, ça. Je préfère reprendre le Ball of Steel. Hein. À 3 balles, de toute façon. Tout à 3 balles où je remballe. On est pas mal, là. Ouah putain, boomerang allonge pas ton brimstone. J'en ai aucune idée. J'ai pas assez d'expérience sur le jeu pour savoir ce genre de truc. Je pense pas. Ça serait craqué si c'était le cas. Tu penses? De toute façon, j'ai plus assez pour l'acheter, mais... Ouais, après, je peux bomber la machine à don, mais... Stun ennemi? Non, je pense pas. Je vois pas pourquoi il le ferait, en fait. Accessoirement, je crois que c'est un ennemi que j'ai quasiment jamais pratiqué. Putain, j'ai bien fait de pas oublier qu'il y avait un shop. Oh, merci beaucoup, Maudit. C'est gentil, merci à toi. I'm Dorothy. Merci pour ton raid. Très gentil. De toute façon, a priori, c'est le dernier shop qu'on chope. Tout de suite, Mom. C'était Mom. Oh, j'ai pas eu le Devil Deal. Je suis un peu déçu. Alors attendez, on avait dit quoi? Merci beaucoup, Maudit encore. Je sais pas sur quoi c'était, sur quoi t'étais toi. Merci beaucoup. Comment dire? On a la clé. On a la clé. Parce qu'on voulait faire. On avait dit quoi? Si, on voulait faire Méga Satan à la base. T'as pas fait le Polaroid? Donc, le Pola, il faut aller chez Isaac. Ah oui, et après la clé, ça sera la clé, la grande porte. Ok, ok, ok. Donc pas de négatif, on prend le polar. Et nous passons par ce trou béant et suspect. J'allais regarder s'il y avait des rochers marqués, mais en vrai, Osef, quoi. Donc pour ceux qui viennent d'arriver, on est en train de se faire un run Azazel hard. Et en ayant pour objectif Méga Satan. Méga Satan arrive dans les deux chemins, d'accord, ok. C'est pas mal ça. On va le faire. Putain mais... J'hallucine. Putain. Il a tapé dans ma... Oh come on. Oh le carnage. Il a tapé dedans quoi. Oh là là, le Meat Boy mais si puissant. Mais non, mais en plus c'est nul ça. Oh là là, j'ai risqué tout ça pour rien. J'ai retrouvé mes cœurs que j'avais perdus, c'est déjà ça.
fais voir à quoi ça ressemble. Bon, écoutez, on va juste faire les salles secrètes et on va aller direct au boss. Ok. Ils bougent pas, eux. Ok. Ça... Les coins, je vois pas pourquoi je les prends, en fait. J'espère que je vais pas être éternué devant Méga Satan. Ça serait ballot. Regardez comme il prend cher, mais c'est un truc de ouf. Ah mais le Meat Boy qui est tellement efficace, ça vaut le coup de se saigner. Honnêtement. T'imagines, tu te fais une armée de 3 Meat Boy comme ça. Mais t'imagines la puissance que t'as, quoi. Bon, en fait, tu fous rien. T'arrives devant Delirium, tu fous rien. Les pendus, je peux les bomber, je sais plus à quoi, si ça sert à quelque chose. Ouais, avoir des sous. Qu'est-ce qu'on avait dit après? Ah, le boss est là. Oh, je vais redescendre par là pour aller à la Super Secret. Paf. Flight, ok. Ah bah tu vois, je peux pas prendre le cœur, donc ça veut dire que je suis quand même pas mal là-dessus. Megamama, ça sera sur Utero 2, hein. Ouais, 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 complètement. Putain, la salle hostile. L'hostilité de cette salle. C'est très très bon, ça. Hein. Bah en fait, je suis quasi invincible. Avec la Big Fat Fly... Le Ball of Bandage, le Meat Ball, le Meat Boy, pardon. Plus la Ball of Meat. Potentiellement un Meat Boy en plus au prochain étage, ouais. Bah tout dépendra si j'arrive à avoir des slots. Le truc c'est que encore une fois, ça vaut peut-être le coup de se saigner, quoi. Regarde ça, je fous rien. Regarde. Voilà. Je fous rien. Et il s'acharne même sur le tas de viande. Au final, c'est craqué. Nice. Du coup, là, en théorie, j'ai un conteneur en plus. Donc, ouais, ouais. A priori, on va pouvoir... On va pouvoir faire le sale taf. Family, I get closer together. Ouais, mais si je prends ça, je lâche le Mom Pearls. C'est ça qui me hype pas trop. Est-ce que c'est si important que ça qu'ils soient groupés en plus? Pas si sûr. Merde. Le brimstone qui s'est tapé toute la longueur. Ça, c'était pas mal aussi. Ouais. Hop. Ok. Normalement, je peux en faire un, mais je voulais être sûr d'avoir... Ouais, vas-y, j'en fais un. Paf! Donc là, on a un gros Meat Boy et un petit Meat Boy. Pourquoi il bouge pas? Il est con ou quoi? Pourquoi il bouge pas? Con, ce mec. Ah. Mais il est déjà assez agressif comme ça. Sincèrement... Plus de sacs... Regarde ça, je fonce sur l'ennemi. En vrai, je prends même pas de dégâts. C'est craqué. Hein. Ah oui, puis en plus, j'ai l'échelle. C'est totalement useless. C'est vrai que je l'avais acheté pour pouvoir respawn le shop. Lucky. Oh bah, Loki Brimstone, ouais, salut. Ouais. J'espère que vous allez bien. Ok, alors attends.
Attends voir, calme-toi là, monsieur Brimstone. Bah, en vrai... Donc là, je peux avoir un conteneur en plus pour, deux, pour avoir du coup deux grands Meat Boy. Ou sinon, Damage Up et Shot Speed Up. Sachant que je suis déjà à 11 de DPS. Voilà, de toute façon, là, on va se faire Devil Deal. Ok. Axio Large, c'est non. Tears Up, je sais pas si ça... Ça ne sert pas. Non, ça sert pas, en fait. Hein. C'est quoi, ça sert Speed Up. Ok, je reprends le Ball of Steel. Et le Range Up que je retrouve, finalement. Est-ce que ça change vraiment le Brimstone? Je suis pas convaincu. Ce Satan, là, ça sert à rien de... Ça sert à rien de le buter. On est d'accord. Bonjour, Félifou. Ah, c'est ça, ça te fait charger plus vite. Oui, ça sert de le buter, ou oui, ça ne sert pas de le buter. Désolé, j'ai besoin de précision. Non, pas la peine, d'accord. Non, ça fait rien de le bomber. Ok. C'était ma question. Du coup... Ah oui, mais attendez, contre Méga Satan... En fait, les Meat Boy vont être totalement useless. Ah si, ils vont être utiles contre les mobs qui spawnent. Ah, j'hésite vraiment au niveau des items. Du coup, tu réponds que oui, t'es d'accord. Ils vont toucher Méga Satan? Ah ouais? Ok. Bon, dans ce cas-là, on fait ça. On prend le dinner. On prend le HD dinner. Formule burger coca. Tout à 30 balles ou je remballe. Nous voilà dans Womb. Et ce mec n'a pas fini de nous emmerder. Saigne-toi à fond, c'est ça l'esprit anarcho-punk rebelle. Ah bah écoute, ça tombe bien. Moi qui suis anarchiste à temps plein, je pense que je vais vraiment me piler. C'est parti. Paf. Ok, double Meat Boy. Paf. Plus un cube of meat pour la protection. Et du coup, le Ball of Steel, je l'utilise ou pas? Non, pas tout de suite. Pas tout de suite, pas tout de suite. Mais alors, attends. Du coup... Ce qu'ils appellent Womb 2, c'est Utero 2, en fait. Donc là... En gros, c'est l'étage où j'utilise la Big Mama. Oui, c'est ça, ouais, on est d'accord. Mais comment on switch? Comment on switch d'un activable à l'autre? Ça m'arrive tellement jamais de pouvoir faire ça. R2? Contrôle? Non, ça marche pas. Ah oui, c'est R2. Ok. 3, 2, 1. Paf! Ça va être un plaisir. Ah, ouais, c'est cool. Ah. Sachez qu'à chaque ratissage de salle, c'est un orgasme qui se cumule. Sachez-le. Parfait. Oh, c'est tellement kiffant. Ah, c'est ça, le Isaac qu'on aime. C'est ça. C'est ça, c'est ça. Parfait. J'ai tellement de cœur que je sais même pas quoi en faire. J'ai même pas le temps de voir les ennemis sur l'écran. Là, on est dans le respect. On est dans le respect. Ah,
pas suffi. La Big Mama, c'est quand même un item cool. Je sais plus qui tout à l'heure me demandait c'est quoi mon item préféré sur Isaac. C'est vrai qu'il y a des trucs plus ou moins drôles, mais la Big Mama, quand tu la sors en fin de run sur tout un étage comme ça, ah, c'est quand même du plaisir. Qu'est-ce que c'est ? Ok, ok. Est-ce que je le bombe, lui ? Peut-être ? Ok. Ah ! Petit dégât. I'm Drozzy. Je pourrais même utiliser le warp. Genre histoire d'être vraiment full, tu vois. Genre j'utilise... ouais, de toute façon, il y a des cœurs partout. Ah oui, ça par contre, ça n'aide pas. Non mais là, ça va aller, je pense, quand même. Putain, pourquoi j'avais pas ça contre Delirium, là, tout à l'heure, ou hier ? Sapristi. Si tu prends le Devil Deal, le passage pour Hush se fermera. Ah bah... J'en sais rien. Mais le Hush permet Méga Satan ou pas ? Oh putain, je comprends plus rien. La pilule rouge, celle-là, là, c'est le warp. Mais bon, le warp ne sert à rien parce que c'était éventuellement pour y spawner un cœur, mais il y en a absolument partout des cœurs, quoi. Le Hush, t'en as pas besoin pour Méga Satan. Mais c'est vrai que Hush, je l'ai battu qu'une seule fois dans ma vie, je serais pas contre retomber dessus, quoi. Pour déconner, quoi. Donc là, en gros, si j'ai le Devil Deal qui s'ouvre, je le prends pas, et je fais quoi, du coup? Ah non, c'est la caverne. Oh, quel enfer. Ah, c'est lui, Miss Frange. Putain, Miss Frange, tu sais qu'hier, j'ai rejoué à PUBG, c'était la première fois depuis 4 mois que je lançais le jeu. Tu dois prendre l'autre ouverture. Ok, bon, on verra. Je vais supprimer ce sacripant de Heat Leaves. Voilà qui est fait. Ah oui, d'accord, donc c'est ça. Donc là, on a la trappe, on a la porte de God, on a le halo et on a l'ouverture pour le Hush. Donc en gros, si je résume bien, à droite c'est le Hush, le halo lumineux c'est pour aller vers Méga Satan, la cave c'est useless, et à gauche c'est juste une random God Room qui va éventuellement me donner des bons items, c'est ça? Ah, salut Gère, tiens. Putain, ça fait longtemps que t'es pas passé, toi. Tu vas bien? Comment ça va dans le Nord? Ça a donné quoi? Je sais plus. C'était pas ouf. Ouais, en gros, je finissais en moyenne 20e à peu près. N'hésite pas à enlever. Tout est cœur rouge, bah il m'en reste qu'un, quoi. Oh, attendez, il y a des strats, là. Alors, attends. N'hésite pas à enlever tout tes cœurs rouges. Quand tu n'en as plus aucun, le Polaroid te met un bouclier de quelques secondes si tu prends un dégât. Ok, donc ça c'est bien. Qu'avoue la lumière, c'est selon la photo que t'as pris. Bah j'ai pris le Polaroid. Mais si je fais The Hush, je peux faire The Hush et après la lumière. Ouais, c'est ça, on pourra faire Méga Satan après Hush. J'ai pas testé la nouvelle map, non, c'était juste avant la mise à jour en fait. Ouais. Puis on a de quoi se réchauffer. Bah ouais, bien sûr. C'est marrant de te revoir ici en tout cas. Bon bah go le Hush. Du go le Hush alors. Go le Hush, mais est-ce que je sacrifie mon cœur rouge? Est-ce que le cube of... Ouais. Voilà qui est fait. C'est parti. Putain, le Hush, quoi. C'est un boss que je n'ai vu qu'une seule fois. C'est trop la retrouvaille, quoi.
t'as le jeu, faudrait peut-être que tu retentes un jour. Mais arrête, tu passes trop de temps là-dessus, toi, Miss Frangin. Ah oui, puis alors en plus, on commence avec ça, là. Oh là là, les ambiances. Ok, de la merde, de la merde, de la merde, bof. Ok. Ok, ok, ok. Non. Ah oui, voilà, ça y est, c'est ouvert. Je peux quand même faire les salles d'items? Ou pas? Ou pas? Oui, on peut les faire, hein. On est d'accord. Ok, le leech. Ah, le Boombo! Ah, mais c'est un peu tard! Non, mais un Boombo arrivé. Arrivé au lobby du Hush. Un Boombo, c'est gentil, mais c'est un peu tard, quoi. C'est un petit peu comme... Ah non, putain, j'avais un exemple, mais il était glauque. Ouais, bon, enfin, c'est un peu tard, quoi. Ouais, juste pour déconner, je vais le prendre. Quoique, en niveau 1, il vaut rien, ce mec. Heals half hurts when kills an enemy. Si jamais on chope des... Bon, juste pour le style, on va le prendre. C'est vraiment juste pour déconner, hein, qu'on soit bien d'accord. En temps normal, je me serais pas abaissé à de telles choses. Piskiz, donc c'est un tears up. Tears up, un Ogbar tear. Ouais, mais ça sera pas... Il y aura pas de synergie avec le, avec le Brimstone. Je pense pas, hein. Nogbar tire, bah, à mon avis ça fait rien ça. Rune tears. No more, no more. Plutôt le book. Crash, je sais pas quoi prendre. De toute façon, il y a que deux salles. Le book et je le garde ou pas? Ah ouais, de toute façon, il y a pas le choix. Et donc ça permet quoi exactement? Une fois que je brimstone, je le déclenche. Ah oui, il y a le magasin, c'est vrai. Oh, le magasin avec le... comment dire... avec le... Ça fait un tir homing, ouais, c'est ça. Avec le Steam Sale, ouais. J'ai 55 boules, ce qui est correct. En soi... Pour déconner, je pourrais bomber la machine à dons et je laisse Boombo se gaver avec les coins. Est-ce qu'on n'est pas sur un plan machiavélique? Ça me nique ma machine à dons, mais en vrai, ça permettrait à Boombo de devenir un tout petit peu plus fort, quoi. Un tout petit peu. Mais genre, oh, tiens, un petit peu, quoi. Ça marche, Mitzvang, j'ai plus. C'est vrai que là, en plus, on est sur une partie qui est bourrée d'items et de subtilités. Allez, Boombo! Mais qu'est-ce qu'il fout, ce Boombo? Ah, mais attends, elle a pas pété, là. Allez. Allez, Boombo! Mange-moi tout ça! Allez, yes! Oh, c'est un beau Boombo, ça! Oui, 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 oui! Bon, bah voilà, il est... Un poil plus fort. Un poil plus fort. Pas beaucoup, mais un peu. Le cœur à un bal, je peux pas le prendre parce que j'ai plus de slot. Souvenez-vous de cette subtilité. Box of Peel. La pilule va t'aider, mais laquelle? Celle-ci? Et puis, ah non, celle-là, vous voulez dire. Ah oui, mais The Hush, je l'ai déjà fait en full slow. Moi, je voudrais voir ce qu'il donne à vitesse réelle. C'est ça, le truc. Parce qu'en fait, la seule fois que j'ai battu... The Hush, en fait, il était extrêmement slow. Et genre, les patterns, j'avais le temps de danser la gigue de Bikke Back, quoi. Donc moi, je voudrais voir à quoi ressemblent les patterns de The Hush, mais à vitesse réelle. Donc du coup, Androsi, pas si ouf, quoi, tu vois.
C'est vrai que mon brimstone est il est très court, quoi. Bon, bah, j'utilise le ball of steel maintenant. Voilà. Et je le prends. I'm Drozzy. Ah, et je retrouve un ball of steel, hein, ceci dit. Attends, qu'est-ce qu'on a ici? Oh putain, mais attends. Le converteur. Attends, putain, il y a moyen de faire un truc là. Parce qu'en fait, on a un converteur de tout Soul Earth en un Red Earth. Si j'utilise le converteur. En fait, le problème, c'est que là, j'ai pas de vision sur mes cœurs. Parce que si j'utilise le converteur une ou deux fois, que je compense avec les Ball of Steel qui sont respawnables à l'infini, en vrai, il y a moyen d'avoir au moins 3 Meat Boy max. Bah, je suis full, oui, mais je suis full cœur gris. Et justement, le converteur, tu vois, c'est 2 soul ou black en un red. Ah, mais je sais pas combien il y en a sur les lignes, en fait. Sur les lignes, c'est combien, tu vois? C'est 5? 4? Je sais pas, en fait. Une ligne de cœur, c'est combien? Ah, c'est 6. D'accord, donc là, j'ai 12 cœurs. Ah oui, mais non! Qu'est-ce que je raconte? Mon pileur, je l'ai plus, puisque je l'ai échangé contre le bouc. Mais qu'est-ce que je raconte? Oh, mais non, on peut plus rien faire. Quel emmerdement massif. Ah mais si, je l'ai avec R2. Putain. Ce run, j'en peux plus. Alright. Est-ce que là, si j'utilise le pillar, il se passe un truc? Pas du tout. Ok. Donc on va prendre le converteur. Qu'on va utiliser. Puis, je reprends le pillar que je peux utiliser. Paf. Voilà. Ils se voient pas parce qu'ils sont superposés, mais là, il y en a bien 3. Je reprends le converteur. Je l'utilise. Je reprends le pillar. Je l'utilise. Donc là, du coup, on a 3 gros meatballs. Meatball, ouais. Je prends le ball of steel pour compenser. Échange le livre au pire. Ouais, peut-être. Franchement, moi, le livre, je suis pas convaincu. Oh, il y a un range up. Ouais, mais le range up sert à rien, si? Je sais plus. Est-ce qu'il sert, le range up? Ah, par contre, là, j'ai plus de... Là, il y a que du Drozzy. À la limite, je vais dépenser celui-là. Juste pour en faire spawner un. Ah, bah attends, le Warp. Alors attends, dans ce cas-là, je prends le Warp. Paf. Du coup, le Range Up. C'est un peu mieux. Mais non, du coup, j'ai Range Up, j'ai Warp et... Donc là, j'ai un double Range Up. Et effectivement, ça se voit, mon Brimstone est déjà mieux que quand je suis entré dans cette salle. Ensuite, Tears Up. Mais le Tears Up, il sert à rien avec le Brimstone. Oh là là. Quelle galère. Je l'utilise quand même. Ah si, c'est la vitesse de charge. Pas du tout. Non, je sais pas. Et la jaune, c'est quoi? Health Up. Bah figurez-vous que ce Health Up tombe bien. Puisque je vais l'utiliser. Et grâce à mon pillar... Eh bien, je spawn un cube of meat et j'arrive à 12,28 de DPS. Voilà. Ensuite, une pretty fly for a white guy. Voilà qui est fait.
un autre Elsup que je vais utiliser. Puis Peeler à nouveau. Yes. Plus le Ball of Steel que j'utilise. C'est honteux. C'est fini, embargo, oui, tu me juges là. Suivi de. Bon, iPhone Peel. iPhone Peel, voilà, c'était histoire d'en respawner un. Suivi d'un Elsup que je vais utiliser. Into Peeler. Donc là, je suis à 3 gros Meat Boy plus 1 mini Meat Boy. Yes! Into Range Up. Que j'utilise. Into Ball of Steel. Que j'utilise. Balls of Steel. Yeah! Et le Verp. Pour refaire spawner un Ball of Steel que je vais peut-être prendre. Sinon, le Limon Party, on s'en fout. Hey! On s'en est bien tiré quand même! Tu pouvais convertir avant d'utiliser ton Ball of Steel, t'as gaspillé un cœur. Mais je peux encore le faire, hein. Parce que là, théoriquement, je suis max. Eh ben, regarde. Paf. Convert. Paf. Peeler. Ball of Steel. Et là, j'ai 4. J'ai 4 gros Meat Boy avec moi. Bon, rassurez-vous, hein, j'ai quand même une grande chance de mourir contre les boss que je vais avoir à partir de maintenant. C'est rare que je fasse ce genre de strat, hein. C'est peut-être même la première fois. Après, je reprends le Drowsy au cas où ça se passe vraiment mal. 4 Meat Boy, voilà, exactement, Kelly, ouais. Garde le book, le Homing Brimstone, il est vraiment fort. Eh ben, à la limite, dans ce cas-là, le convert. Je rééchange le convert contre le book. Je fais quoi? Je déclenche le book au moment où je rentre dans la salle? Bon, et puis, quand même, hein. Voilà, désolé, petite boîte à dents. Alors là, hein, vous avez l'impression qu'il n'y a qu'un seul Meat Boy. C'est ça qui est drôle, c'est que vous avez l'impression qu'il n'y en a qu'un. Pauvre fou. The Hush! Ça, c'est vraiment le Isaac qu'on veut voir, hein. Est-ce que c'est un Hush No Damage? Ah non, 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 mais après, s'il est là, il est là, j'ai rien dit. Ils sont où mes Meat Boy? Je les vois même pas. Putain, il ressemble à ça, The Hush. Trop bien. Trop bien. Trop l'éclate. Ah oui, ils sont là. Regardez. 4 Meat Boy, là, regardez, on les a vus, on les a vus. Ah, vous donnez tout, là. Le problème, c'est que mon perso est un peu grand, j'ai un peu du mal à voir... Et si je lui balançais une bombe? Comme ça, pour déconner, quoi. Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Allô? Ah oui, il est là. Mais ils sont super lents, les tirs. Pourtant, on n'est pas en Drowsy, hein. Il n'est pas activé. C'est juste un sac à PV, le mec. Ah oui, c'est vrai, il y a ça aussi. Oh putain, trop bien. C'est bon, ça.
Putain, Cormano et Nisufani avaient raison. Ce run est incroyable. Oh putain, le pattern latéral, le pattern vertical. J'ai l'impression d'être invincible. C'est quoi ce bordel? Allez! Allez, faut bosser là. En fait, j'ai... Ah non, ça y est. Ah, ça y est. Là, j'ai pris un dégât. J'ai juste pris un seul dégât, quoi. Man of the Void. Ah, j'ai débloqué un item. Le cercle en annule une partie, après il y a les reproductions. Oh bah écoute, hein. Voilà, c'était le hush. Ah mais attends, il y a un autre passage. Ah ouais, non mais attends, il me semble que l'autre passage, du coup, c'est pas le void. Pour un potentiel délirium. Regardez là. Là, il y a un passage. Ah ouais, mais alors du coup, on fait quoi? On fait quoi? Parce que moi, Delirium, c'est ma grande passion. C'est ma grande passion. Mais d'un autre côté, on s'est emmerdé à avoir la clé pour Méga Satan. Ah, je sais pas ce qu'on fait, du coup. Une chose est sûre, c'est qu'on est flou. Ah oui, c'est parce que ça capte les yeux. Quand je regarde mon objectif dans les yeux, c'est net. T'as une chance sur deux d'avoir Delirium après Méga Satan. Ah, je sais pas. C'est vrai que... Méga Satan, ça fait quand même longtemps qu'on l'a pas fait. Allez, on va faire Méga Satan. On va faire Méga Satan. Ça fait longtemps qu'on n'y est pas allé. Puis c'est Azazel, c'est le satanisme. Voilà, quoi. Donc du coup, Méga Satan, on est d'accord, je prends les lumières. C'est ça? Si je fais ça, je fais pas de conneries, hein. I got my mind set on you. Paf! C'est ça, hein, ouais. Quel run incroyable. Ce sera dur de faire mieux. Hein. Enfin, à mon niveau, je veux dire. Alright. Et puis, bien sûr, j'ai toute la map. Salle secrète comprise. Oh, putain. Ah, mais d'accord, je suis vraiment full health, quoi. Ok. Bon, ok. Ah, mais il me restait même un cœur. Oh, je pourrais en plus faire apparaître un cube of meat. Oh, je pourrais faire ça. Oh. Allez, toujours plus de protection, hein. Vous savez ce qu'on dit. Bah non, d'ailleurs, qu'est-ce qu'on dit? Bah, je sais pas. I got my mind. Oh là! Putain, eux, par contre, ils pètent facilement. Ah, mais du coup, peut-être que Bumbo va se gaver. Vas-y, Bumbo, mange de bon cœur. Attends, il y avait la salle secrète que j'ai pas topée. Pouf! Oh, vas-y, vas-y, Bumbo! Mange-moi tout ça! Yeah! Oh, ça y est, Bumbo, il a bien mangé, là. Oh là là, oui! Oh, je suis un bon Bumbo, ça! Oh, je suis un bon Bumbo, ça, mes mères, ça! spawn bégard. Pourquoi pas? Ah, c'est un bégard à bombe! C'est rare, ça! Enfin... On n'en voit pas tout le temps, quoi. Qu'est-ce qui fait apparaître? Ok. 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 J'ai encore espoir qu'il nous file un truc trop bien. Ah, il peut lâcher une mama bombe. Ouais, mais on en a déjà une dans le run. Il peut pas y avoir deux mama bombes sur un run. Je pense pas. Combien je lui en donne? Parce que j'ai l'impression qu'il spawn autant que ce que je lui donne, quasiment. Je vais en garder 5, peut-être. Oh là là, mais mec... Ok.
Duplicate sur bombe. ouais. Ok. Ok. Plus de bombes. Oh, on est vraiment en train de s'amuser. Yes. Ok. Oh, merci beaucoup. Merci, monsieur Manuel Ferrara. Incroyable. Merci beaucoup, Manuel Ferrara, pour ton host. J'ai toujours du mal avec cette phrase. Merci beaucoup, Manuel Ferrara, pour ton host sur un run d'Isaac Afterbirth. On vient de battre The Hush et on est en train de viser Mega Satan, pour ceux qui connaissent, peut-être. Et a priori, j'ai un stuff qui est plutôt pété. Donc on est sur un bon run, vous arrivez au bon moment. Bienvenue, moi c'est Dame Dame Live. Voilà. Merci beaucoup, bonne soirée à toi. Enfin, bonne journée, du coup. Je sais pas quelle heure il est chez toi. Ok. Bon, on est officiellement sur un stuff plutôt correct. Je me méfie par contre des quad brimstone qui peuvent arriver selon les mobs à qui on aura affaire. Non, Kelly, théoriquement, je l'avais déjà enlevé tout à l'heure, en fait. Oh, Equality. Ouais, non, mais ça, c'est pas grave. Non, c'est ok. C'est ok. Commune Manuel Ferrara, plutôt cool. C'est pas la première fois qu'il me host, en plus. Merci à lui. Et globalement, c'est des gens plutôt sympas. J'ai bien dit globalement. Attention. Je rigole. Ouais, j'ai 4 mid-boy, ouais. Ouais, 4. Le flat penny, normalement, c'est bon. Le flat penny, bien sûr. Ok, ça passe. En fait, le truc, c'est que les mid-boy font un tel taf. Par contre, tu vois, au niveau des soul hurt, je les perds très rapidement, quoi. Faut faire gaffe, quoi. Ok. Ah, n'hésitez pas à taper la commande point d'exclamation présentation si vous vous demandez ce que je fous sur Twitch. Le problème, c'est que les mid-boys sont très puissants, mais des fois, ils mettent du temps avant d'agir. C'est ça le problème. Ok. Il reste. Il est où? Ok. Ça, c'est good. De blanche. Nice. Ça, c'est un random boss, hein, je crois. On va d'abord faire la salle super secret. De toute façon. Le Black Heart, qui est plutôt cool. Hein. Ah, mais je suis en Curse of the Maze. Ah, j'avais pas vu que j'étais en Curse of the Maze. Ah oui, sachant que le mec là... sachant que le boss ici donc peut être Delirium. Oh mais quel enfer. Link's Awakening, ouais, on a fait la version remaster, là, enfin remake. On a fait ça il y a 2 mois à peu près, ouais. Très sympa d'ailleurs. Et pour que moi je dise ça... Parce que je suis pas très fan... Oh putain, c'était un demi-cœur blanc, ok. Je suis pas très fan forcément de Zelda. Mais Link's Awakening, ouais, sur Switch, là, il était vraiment cool. Hein. C'était une belle surprise. Ok. Ça vaut le coup de bomber les feux bleus. Paf. Ok. Cœur bleu. T'es pas au Void, pas encore. Ouais, je sais bien, ouais. Mais non, c'est pas de Void. Ah, mais Kelly, tu pensais que c'était de Void, c'est pour ça que t'as dit ça. Ah ouais, non, mais c'est bien ce qui me semblait. Et ouais. C'était quoi? C'était le Josie. Putain, le quad mid-boy avec le Boombo qui est maxé. Ah, on est sur de l'humour. Hein. Globalement, on est sur de l'humour. Hein. C'est un des runs les plus ouf que j'ai pu faire de ma vie, quoi. Littéralement. Ok. J'ai encore le pileur, hein. J'ai encore le pileur, hein. C'est tentant.
ça. Ah ouais, ça y est, je suis full hurt. J'utilise le pileur ou quoi? Qu'est-ce qu'on fait? Salle de boss? Bah, on pourrait faire un cinquième petit Meat Boy. C'est ça le truc. Est-ce que ça vaut vraiment le coup? Vas-y, ne serait-ce que pour voir l'effet de Paula quand t'es touché. Ouais, mais ça m'est arrivé tout à l'heure contre The Hush, justement. Donc on fait clac, clac. Voilà. Donc là, du coup, j'ai 4 gros Meat Boy, plus un petit Meat Boy, plus Boombo, plus la Big Fat Fly, le Ball of Bandage, la Lord of Fly, plus la Blue Fly qui spawn des spiders, plus le BFF, bien sûr, qui améliore la vie. On est sur un run correct. Et bien sûr, le Brimstone avec le Halo. Ouais, c'est correct. C'est correct. J'ai rien besoin de faire, regarde ça. Ah oui, et puis en plus de ça, j'ai des ennemis qui sont charmés de façon random. Ouais, non, mais c'est bien. Oh, mais ça fait du bien des fois de faire des gros runs comme ça, quoi. Franchement. Tu l'as que niveau 1, donc il sera niveau 2, ton Cube of Meat. Ah non, effectivement. Ah oui, oui, non, non, effectivement. C'est un Cube of Meat. C'est un. Ouais, c'est ça, c'est un Cube of Meat niveau 2 et pas un petit Meat Boy. Où j'ai marqué? Où ça? Nani? Ah ouais, mais attends, parce que là je suis en maze. Ici? Il était où? Là-haut? La petite salle? Où ça? Ici? Mais oui, en plus. Quel enfer. Quand je pense qu'au début de ce run, je me suis dit, tiens. J'ai pas le D6, je suis habitué à jouer avec le D6 maintenant. Est-ce que ça va vraiment passer? Ah, globalement. Ah merde, attends. J'ai pris le flat penny. Je ne me souviens absolument plus. Ah non, c'était le Mom's Pearl que je voulais garder. Ouais, ok. C'est con que je puisse pas reprendre les trucs rouges. Ok. Tout de suite, Isaac. Ok. C'était Isaac. Ah, merci à tous. Donc, là on n'a pas encore. Attends, parce que là on n'a pas encore la double porte. Donc là je prends le coffre et je vais aller au chest où il y aura la double porte qui va s'ouvrir avec la clé. Théoriquement c'est ça. Ouais. Excusez-moi, j'ai encore un peu de mal moi sur ce jeu. Je connais pas très bien. Tout juste si c'est ça, ok. Oh, non, mais je commence à comprendre l'arborescence des niveaux, mais. Pff. C'est pas facile, hein. Satanic Bible, tiens, qu'est-ce que c'est? Et nous aussi au chest. La porte est ouverte. Ok. The Cancer. Cancer, c'est toujours pas mal. Sharp Straw, je connais pas ça. Deal of damage plus 10%. Encore the maximum life of the enemy. Affect the enemy de Vroom. Ça a l'air pas mal, ça. Dit comme ça, ça a l'air pas mal. Fun Guy. C'est l'Odd Mushroom, donc ça serait un Damage Down Powers. L'Aquarius, je peux le prendre, ceci dit. Cancer, je vais le prendre, bien sûr. Fais le boss Blue Baby avant d'aller chez Mega Satan. Je vais faire ça, je pense. Merci, Chrisou. En vrai, je serais tenté de tout prendre. Enfin, sauf le Odd Mushroom. Parce que cancer, c'est oui. Ceci dit, j'aurais pu prendre le cancer en revenant tout à l'heure. Parce que là, j'ai gâché un cœur, du coup. Ça, je peux le prendre.
La paille sert à rien. Ah, ouais, c'est ça. Bon, bah, dans le doute, on le prend. Ah oui, mais si je le prends... Si je le prends, je laisse mon pileur. Je préfère garder mon pileur au cas où. Et n'oublions pas que j'ai le PhD, donc... Pas hésiter à bomber. Drowsy. Speed up. Attends. Ok. Speed up. Oui. Ça, c'est du Drowsy, Drowsy. Et ça, c'est quoi? Téléport tout de random. On garde le Drowsy. Et donc, nous allons aller voir le Blue Baby. Je fous rien. Je fous rien. Ah, le boss. Un de mes boss que je déteste le plus. Yes, yes, yes. C'est ça qu'on veut voir. Ah, c'est cool. Paf. Ah, mais il y a encore un monsieur cravate. Ah, décidément. Je sais pas si, de toute façon, Bumbo, ça sert plus à rien qui mange des coins. Mais... J'aurais pu éventuellement se faire spawner d'autres Bumbo. Mais je sais pas comment. Oh shit! Ok, ok. Oh bah, de toute façon, le Bumbo a à peine le temps d'agir. C'est évident. Non mais là, je vais leur rouler dessus, hein, les mecs. C'est... Méga Satan, là. Si en plus de Méga Satan, on se fait Delirium... Oh là là, c'est la game de ma vie, quoi. Après ça, je peux désinstaller le jeu, quoi. C'est quoi? Ça serait ici? Attends, d'abord, on a la Super Secret. Black Heart. Et nous avons le Blue Baby. Blue Baby qui va prendre cher, hein, je pense. A priori, on va être là-dessus. Hein. Voilà. C'était Blue Baby. Yes! Donc ça, c'est fait. Ça, c'est fait. Donc maintenant, on fait Méga Satan. Et on va espérer... On va espérer que... Attends, c'était quoi ça? Oh, Makes You Large. C'est marrant qu'il n'y a pas de Makes You Small. Oh, j'ai presque envie de faire l'étage. J'ai presque envie de faire l'étage juste pour déconner, quoi. Y'a pas le Make You Small avec le PhD? Ah, ok. Ah, le PhD élimine le Make You Small. Pourtant, en soi, moi, je trouve ça mieux que le... Que le Make You Large. Je sais pas. Allez. Faut mourir maintenant. Bon, on y va? Petit con de méga Satan là. Avec Mertu Larger, tu peux devenir Stompy. Bon, de toute façon, ta hitbox ne change pas quoi. Qu'est-ce que je fais? Je fais la partie gauche ou pas? Oh, c'est un coup à perdre des cœurs inutilement quoi. D'un côté, je suis tellement claqué. Oh, j'aurais tellement aimé mettre une carte Against Humanity dans cette salle. Toujours plus. Ah, qu'est-ce que c'est? Freezing Tears et Range Up. Ouais, mais ça sert à rien du coup. À mon avis, ça change rien ça. Ah ouais, non, ça change rien.
Je l'avais pris tout à l'heure celui-là. Paf! Paf! Ça me fait tellement rire. Ça, c'est une... C'est une partie... Vous pourrez dire ça à vos petits-enfants. Vous pourrez dire... Ah! La fois où twitch.tv/damdamlife a failli bien jouer. Elle sup! Bah écoutez, ça tombe bien. Parce que... Je vais l'utiliser. J'utilise le peeler. Et du coup, un cinquième Meat Boy de taille, ma foi, raisonnable vient d'apparaître dans mon stuff. Qui est raisonnable, quoi. Oh là là, mais ce sentiment dans Isaac quand tu te sens invincible. Ah, attends. C'est eux qui balancent, ouais, c'est ça. Ouais. Ça, c'est quoi? Poison Bomb, plus 5 bombes, ouais, je m'en fous. Ah, pas mal ça. Merde. Putain, j'ai foiré. J'ai foiré mon Brimstone. Spider Baby. Spawn Spider when getting it. Écoutez, ça se prend. Ça se prend. Toujours plus. Ça va peut-être me sauver. Who knows? Ok. Ouais, mais je compte pas envoyer de bombes de toute façon. Oh merde! Ah. Reduce Devil Deal Prices. Alors, ça, vous savez ce qu'on dit dans le jargon. C'est gentil, mais c'est un peu tard. Vous voulez qu'on le prenne quand même? Attends. Judas Tank. Ouais, mais si je le prends, ouais, voilà, ça me laisse mon. Mon Soul Heart. Bon, on peut le prendre. Hein. Ouais, juste pour déconner, quoi. Ok. Ok. Vous êtes prêts? Tout de suite. Méga Satan. C'est quoi? C'est les mains en premier? Ouais. Nice! Oh wow! That's nice! Un combat très intéressant, à ma foi. Ça, c'est sûr que dans le Reverse Order, il n'y avait pas. Il va Brimstone ou pas? Oh, il va nous faire un petit Brimstone quand même. Ah non, merde, il y a lui. Oh, il est tellement chiant, lui, d'habitude. Ben voilà, c'est fini. Oh, zut. Je prends les thunes alors que ça sert à rien. Ah ouais, les deux anges. Ok. Un. Le deuxième. Ok. Pattern. Oh! Oh, je l'ai tellement pas vu. Ah, mais attends, je peux aller là. Ah, mais c'est cramé en fait. Ah, oh, un sacré Brimstone. Ah oui, d'accord, mais en fait, avec le flight, on peut se mettre sur le côté. J'avais pas tilté. D'accord, d'accord, d'accord. I'm drowsy. Salut, ça va?
Par contre, ils foutent rien là, mes potes là. Ah, c'est bon, hein. C'était contre The Hush que j'avais dit. Hein. Que j'avais dit pas de Drozzy contre The Hush, hein, mais le reste. Et nous avons un Void qui vient d'apparaître. Putain, heureusement que j'avais pas juste 20 minutes pour faire un run. Hein. Putain. Yes! Bon bah écoutez, on va prendre le Void. Hein. Donc là, si on résume, on a fait Heat Leaves, on a fait The Hush, Isaac, Blue Baby, Méga de Satan, et là on va se faire Delirium. En fait, on se fait un boss rush avec tous les boss du jeu. Ok, et puis bien sûr, j'ai toute la map. C'est parti. Bon, on est parti, on va tout clearer. On va essayer. Bam, 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 bam. Excellent item d'Abaddon. C'est quoi Abaddon? Ah oui, c'est vrai que ça se voit pas très bien. Ah, un Gira. La rune préférée de Laurent, comme le disait Captain Button tout à l'heure. L'item que je viens de débloquer, ok, d'accord. On verra ça sur les prochaines parties, je suppose. Quand je pense que j'étais à deux doigts de quitter le jeu tout à l'heure. Ouais, des coins. Ok. Bof. C'est quoi? Chance for game key defeat or meet. Non. Je sais pas pourquoi je suis allée là. Je regrette. Ok. Ok, j'espère que vous appréciez cette playlist 100% gaming. Ah, dommage, dommage, dommage. Putain, le quoi? Quintuple brimstone, c'est dur à esquiver quand même. Franchement. Plus mon pote qui fait des brimstones, quoi. Franchement. Seriously. Ok. Alors. Speed up, parce que pourquoi pas. Health up. Oui. Et du coup. Ah, je le fais. Je vais pas utiliser le pillar tout de suite. Tears up. Ça change rien. Je sais pas si je l'utilise tout de suite. Si, je l'utilise. Juste pour le plaisir d'avoir 5 Meat Boy. Et je prends le Lemon Party. 5 Meat Boy level 4. Qu'est-ce que tu dis de ça? Mais ceci dit, on se la pète un max. Mais au final, contre Delirium, étant donné qu'il bouge énormément, est-ce que ça va être si utile que ça? Je sais pas. Non, je vais plutôt faire ceux dont je suis sûr. Yes. Ok. Ah oui, sachant que j'ai aussi l'item. Oh putain, faut que je fasse gaffe. Je vais rester loin. Je préfère rester loin de ces petits cons parce que... Parfait. Alright.
Impossible qu'il soit là. Oh, adversary, comme on se retrouve. Tiens, voici mes 5 amis. Voilà. Monsieur Mega, bombe damage par 2,25. Ou sinon, un Lord of the Flies pour toujours plus. Toujours plus de défense. Je pense que je vais faire ça. Ouais. Est-ce qu'il est... Oh, je sais pas s'il est là. Non, death. Voilà, c'était death. Expérimental traitement, surtout pas. Curse of the Tower, c'est quoi? Spawn 6 Troll Bomb every time you get hit. Mais c'est de la merde, ça. Vous croyez vraiment que vous allez me la faire, celle-là? Ah là là. Quelle bande de filou. Pourquoi elle explose, celle-là? Ah oui. Ok. Qu'est-ce que c'est, ça? Makes you larger. Non, merci, madame. Franchement, je rentre dans une salle, je me fous à l'autre bout et je laisse les autres bosser. Ça serait bien que je perde pas plus de cœur que ça. C'est juste ça, quoi. Ouais, Bumbo, quand même, il va au combat. Là où, où les Meat Boys, ils ont plutôt tendance à suivre mon déplacement, Bumbo, il va à la baston, quoi, tu vois. Ça sent qu'il veut se la donner grave, quoi. Ah, un petit champion. Voilà, c'était un champion. C'est quoi, ça? Red Patch. Ah ouais. Ouais. Et là, ok. C'est bien, je suis en train de refaire des cœurs là. It's perfect. Qu'est-ce que j'ai pris? La carte de Lovers, c'est quoi? Two Red Hearts, ouais, mais j'ai pas de conteneur. Je vais essayer de faire le boss qui est tout en haut de moi, là. Oh. Oh, shit. Ah, c'est une chauve-souris que j'ai, tiens, d'ailleurs, j'avais pas checké. Qu'est-ce que c'est que cette histoire encore? Ouais, ok, ça. Hop, hop, hop. Head of the Creeper, tears of chance to drop pennies on the floor upon successfully hitting an enemy. Bah, je sais pas. Oui ou non, ça? Oui. Ouais, mais de toute façon, ça sera pas utile avec le brimstone. Si. Oui, ça marche pas, ouais. Enfin, je pense pas. Oh, le champion qui s'est retrouvé... bloqué. Petit rocher marqué qui fait plaisir. Ah, on est bien là, niveau cœur. The Gate. Tiens, c'est celui que j'ai vu tout à l'heure, lui. C'était The Gate. Lord of the Flies, alors c'est le Lost Fly, move along walls and obstacles in the room, deal contact damage. Ah bah pourquoi pas. Spawn boost spinner when shooting tears. Eh ouais, mais when shooting tears.
Est-ce que ça fonctionne avec le brimstone? C'est ça toujours le problème. C'est dans quel cas les synergies se font, quoi. Il te semble que ça fonctionne. Non, ça fait pas. Transformation Lord of the Fly. Bah, si je prends cette mouche là, je suis en transformation Lord of the Fly, mais j'ai aucune idée de ce à quoi ça sert. C'est pas quand la tire touche, c'est quand tu charges. Des dégâts nuls. Ok, bon écoutez, on le prend. On le prend parce qu'on aime la vie. Est-ce qu'il a une chance? Il a une chance d'être là. Hein. Il a une chance d'être là. Ah, le brownie. Ah, le brownie, ça c'est les toilettes au nouvel an, ça. Ok. Voilà, c'était brownie. Avec le rasoir, qui est pas si mal hein, d'ailleurs. Qui est pas si mal parce qu'il est très puissant. Toujours plus de défense, hein, vous savez ce qu'on dit dans le jargon. Dans le jargon, on dit toujours plus de défense. Et la transformation Moms, alors c'est quoi du coup? Parce que là, j'ai la perruque. Ah, du coup, il y a le couteau qui spawn. À la place du brimstone ou en plus du brimstone? Oh là là, ça va être chiant ça. Après, il s'en occupe. Juste en tournant comme ça, il s'en occupe. C'est bon? Yes. Un couteau en orbital. Ce qui est plutôt bien. Le truc, c'est que... comment il s'appelle? Delirium, en soi. Il se rapproche pas trop. Lui, il envoie des gros patterns. T'as la chaussure de Mom, là, qui revient très souvent. Puis basta, quoi. En fait, j'ai tellement de familiers que je sais même plus à quel moment j'ai clearé la salle. Est-ce qu'il peut être là? Il peut être là. Hein. Il peut être là, il peut être là. Putain, quand je pense que... À 18h, quand j'ai lancé mon stream, je me suis dit, bon, allez, on va se faire des petites runs. On va se faire des petits runs sympas, sans prétention. Et puis, une fois que je serai mort 3-4 fois, que ça va me saouler, je lancerai Trackmania. Fool! Mais je comprends rien de ce qui se passe. Il n'y a pas de Devil ou Edge Room, de toute façon, ici. Je pense pas. Pouf. Paf, paf, paf. Peut-être prendre Death. Peut-être prendre Death. Ouais, mais en vrai, ça sert à rien de prendre le Joker. Je pense pas. Ah, il a essayé de me pouned. Cette TP au Devil Deal, mais il peut pas y avoir de Devil Deal. C'est le Void. Y a rien après le Void. Ah!
Eh oui! Souvenez-vous, il y avait aussi Guppy qui nous manquait. Ah, c'est vrai que c'est un peu limite comme run, on n'a pas encore la transformation Guppy. Hein. Ah, ça en crée une quand même! Bah ça du coup, on peut le prendre. On est d'accord, ça va pas me niquer mon run. Secret Room, ouais, mais je sais où elles sont. Le Guppy 9 Leaf, c'est ok, je pense. Ah ouais, c'est bon. Hein. Et du coup, je crois que c'est notre premier item Guppy qui du coup nous donne un cœur rouge. Donc, en plus des 5 Meat Boy XL, on peut générer un nouveau cube. Oh wow, that's nice. Très bien. Bon bah écoutez, on va prendre le Joker dans ce cas. Que j'utilise. Ok. Et là, je vois un truc que je n'ai jamais vu de ma vie. Cœur sacré, homing tears, plus 1 au health up. Damage way up. Range up aussi. Par contre, shoot speed down. Donc ça, c'est quoi? C'est la vitesse de chargement, tears down. Sacred down, ouais, vous avez l'air... Ok. Bon. Vous avez l'air unanime. Ah oui! Ah oui, c'est un... Ok, d'accord. Ah oui, plus 18 en DPS. Ah! Ah! Ce genre de truc. Je me fais pas les anges tant qu'on y est. Oh, parce que là, au point où on en est, tu vois. Ah oui, et puis en plus, je peux piler pour le cœur. Pour le cube, je veux dire. Et un 0,46 en plus. Oh, écoutez. Vous êtes là pour le beau jeu. Je vous en offre jamais. Pour une fois. Voilà. C'était deux anges. Ah, mais du coup, je retrouve des pièces. Il n'y a pas un méga, méga Satan. Bon, bah voilà. Alors du coup, on arrive où, là? Ok, d'accord. Bah, du coup, je vais reprendre mon Lemon Party. Ah non, c'est Death. Death, c'est 42 damage, c'est ça, dans la pièce. Ouais, je vais prendre ça, ouais. Un méga délirium satanique. Ce serait tellement bien. Il peut être en bas à gauche, là. Je pense pas qu'il soit en haut à droite. Je sais pas où il est. Ah, il peut être à gauche, là. En haut à droite, je pense pas. Ce qui est bien, c'est qu'avec le double speed-up que j'ai chopé, tu penses pas qu'il y soit? En haut à gauche, il y a que en haut à gauche qui peut pas être lui. En plein milieu, tu veux dire? Attends. Qu'est-ce que... Merde. Sorry. Toujours plus. Bam, 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 bam. Merde. Fuck. Pas cool, ça. Rocher marqué. Ok. Ok. Ah, il peut être là, hein. Bon, coupons cette musique. Mettons une musique plus adéquate. Comment il s'appelle ?
j'arrive pas à retrouver. Elle était pas dans ma playlist Synthwave. Je cherche les musiques que j'avais sauvegardées sur. Attends, c'est quoi ça? Non, c'est pas ça. Ah, je retrouve pas les musiques que j'avais sauvegardées. Attends. Katana Zero. Voilà. Ouais, on va partir là-dessus. Je pense que ça peut être pas mal. Ok, donc ça c'est fait. Bookworm. Ah mais j'ai déjà la transformation ou pas? Plus un Blackheart, on donne voilà cela. Damage all enemies in the room. Qu'est-ce qui serait mieux? Je sais pas. Je sais pas. Les deux sont nazes, ouais. Ouais, mais après, je peux toucher le bookworm juste pour avoir la transformation. Paf! Transformation bookworm. Toujours plus. En fait, le seul truc qui me manque... Le seul truc qui manque à partir de maintenant, c'est la transformation Guppy. Et on serait tellement bien. Par contre, là, il y a la flamme qui m'a fait mal. Ok. Je me retrouve pas. Attends. Bah là, on est pour pouvoir, ouais. Ah. Non. Oui. Ça. Ok. Ok. Loki. Voilà, c'était Loki. Chance to fire tears that instantly kills enemies. C'est pas mal ça. De toute façon, je pense pas que ça soit vraiment utile avec ce que j'ai. Paf. Je suis full health. J'ai un stuff comme j'ai rarement eu. Putain, Monstro 2, c'est toujours pas Delirium. Voilà. C'était Monstro 2. Tout de suite, le Guppy scolar. Putain, il nous manque un item Guppy pour être Guppy, quoi. Ah, je suis déçu. Ah ouais, mais là, bah là, c'est fini. C'est fini, il reste plus qu'un boss. Donc on sait qu'il est là-bas. Rah. Ah, je suis un peu déçu. Je suis un peu déçu. Bon, écoutez, on se sera bien battu, mais... J'ai hâte de voir le combat contre Delirium, en fait. Ok. This is it. This is the final option. Utiliser le potato peeler une dernière fois. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Voilà. On est pas mal.
Attends, je sais trouver. Oh non, on va remettre Chinatown, elle est bien en fait. Voilà. Tout de suite, Delirium. Alors ça se voit pas, mais il y en a 5 des Meat Boys. On peut bourrer hein, en fait. En fait, voilà, faut pas se faire d'illusions. Hein. De toute façon, avec ma défense, je suis quasi invincible. Là, j'ai perdu quoi? Juste un point de vie, c'est ça? J'ai presque rien besoin de faire. Je crois que c'était le Delirium le plus rapide que j'ai pu faire, je pense. A priori, c'est le délai le plus rapide que j'ai fait. Merci à tous. C'était vraiment très intéressant. Bon, c'est bon, vous êtes sûr, il n'y a pas d'autre boss là après? Je suis chaude là, vas-y. Vous voulez pas qu'on continue là? Il n'y a pas un New Game Plus? Putain, Cormano, Misufani là. Ah, vous m'aviez tellement hypé. Ah putain, tu sais que j'en ai presque la larme à l'œil quoi. C'est le meilleur run que j'ai jamais fait sur Isaac. Tu as tout fait avec Azazel? Bah ouais. Ah non, tu veux dire en défi? Non, pas du tout. C'est le run le plus complet avec un des stuffs les plus pétés, mais en tout cas, en fait j'ai peut-être eu un meilleur stuff un jour, de très peu. Mais j'avais pas fait autant de boss, quoi. Là, putain, on a fait... Enfin, je veux dire, on a tout fait, quoi. À part Satan, c'est... je sais même pas combien de boss on a fait en tout, mais putain... je vous remercie énormément, hein, d'ailleurs, le chat, pour tous les conseils. Parce que vous m'avez beaucoup, beaucoup aidé à prendre des bonnes décisions. Et... c'était incroyable, quoi. Incroyable. Vous savez quoi? Moi, je serai à la place des gens sur YouTube. J'hésiterai pas à s'abonner, enfin, les trucs là sur YouTube. Alors, la meilleure décision, ça a été Hush, ouais. Ah, c'était très très cool de revoir Hush. Dark Prince Crown has appeared in the basement. C'est quoi ça? Ouais, j'ai débloqué un truc, je sais pas ce que c'est. Dark Prince Crown. Je sais pas à quoi ça sert. Tous les achievements à part le boss rush. Non, bah attends, je vais te montrer. Du coup. Azazel. Ouais, j'ai fait pas mal de trucs avec Azazel. Bah, avec Isaac, c'est les deux personnages que j'ai le plus joué, de toute façon. Ça damage up si t'as qu'un cœur rouge. Ok. Azazel, ouais, j'ai fait ça. Il te manque le. Boss Rush et Ultra Grid. Ouais, mais Ultra Grid, je l'ai pas parce que j'ai pas donné assez de sous dans le grid. En fait, faudrait qu'on spam éventuellement.
Faudrait... Pff, ouais. À la limite, faudrait qu'on se fasse du grid mode avec Azazel. Pour alimenter la boîte à dons et débloquer ça, quoi. Je me souviens d'une fois où j'avais à moitié pété les plombs en mode grid. Et je crois que j'avais fini un run avec je sais plus quel personnage. Je crois que c'était avec Lilith. J'aimais bien faire du grid mode avec Lilith. Et j'avais fini un run, j'avais plus de 90 coins. Et en fait, le run avait tellement été éprouvant que quand je l'avais fini, bah j'étais parti sans donner les 90 coins à la machine à dons. Et dans le chat, les gens étaient là, mais non, mais pourquoi? Et en fait, j'étais tellement au bout de ma vie que du coup, voilà. Et je crois que c'est une des dernières fois de ma vie que j'ai joué. Mais en plus, je l'ai fait volontairement, tu vois. J'ai dit, vas-y, c'est bon, je veux juste finir le run, fais chier, quoi. Et voilà. Et du coup, c'est pour ça que j'ai pas le mode ultra grid, quoi. Ouais, il y a moyen de casser le jeu, mais il faut vraiment bien connaître le truc, quoi. Et moi, j'ai pas encore une connaissance ultra, ultra approfondie de tout ça, quoi. Oh, punaise! Quel run! Quel run! Mais au final, sur Delirium, je l'ai collé. J'ai pris combien de dégâts sur Delirium? Allez, deux? Je crois que j'en ai fait un. J'en ai pris un, c'est sûr. Je crois que vers la fin, j'en ai pris un deuxième. Je crois que j'ai eu deux dégâts, il me semble. Ouais, il me semble. Hein. Doinge, c'était toi-même. Ok. Ah non, le truc, j'étais entouré d'une protection. Il y a un moment, regarde, le premier gros pattern avec les boulettes, j'étais devant le boss. Mais genre, devant lui, je me prenais rien. C'était ouf, quoi. Et puis alors, les 5 Meat Boy... clac, clac, clac. C'était fou, quoi. Putain. C'est... bon, à part le host de Manuel Ferrara, merci à lui d'ailleurs. Merci d'ailleurs pour votre bienveillance. Hein. À ma grande surprise, les communes chez Manuel Ferrara, c'est pas la première fois qu'il m'host. Il n'y a jamais eu de soucis. C'est... comme quoi, il y a des gens cool sur certaines communes. Et... voilà, quand il est passé avec sa commu, finalement, tu vois, il n'y avait pas beaucoup de viewers, même là, tu vois, ça a pas mal redescendu et tout. Et du coup, j'étais vraiment en mode, ouais, de ouais, toute façon, il n'y a pas grand monde, c'est un petit stream à l'arrache et tout. Putain. Voilà. Meilleur run de toute ma vie. Ouah. Le deuxième, tu t'es pris une bombe de Bumbo. Ah, mais parce que Bumbo, il peut envoyer des bombes. Ah ouais, ok. Et bah putain, c'est cool. Bonjour Shimmerglass. Ah ouais, t'arrives à la fin, ouais. T'arrives à la fin du stream et t'arrives à la fin de mon meilleur run, Isaac, ever, quoi.